Non, c'était ouais, pareil, non, c'était. Comment mes débuts? Le grand frère d'un ami, on faisait du contraste à l'époque, au Cajine. Et quand je passais chez lui, bah, j'avais droit à guillotine, étranglement, je mangeais tout, tu vois. Et j'ai voulu connaître, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé au Cajine, avec Loïc Poira. Et beaucoup de gens ont commencé, voilà. Et peut-être deux semaines après mon premier entraînement, il y a une compète, il s'était présenté comme ça. Hein. Il était pas mal Loïc pour ça, une compète, il m'a pas parlé de Poira. Ouais, ouais, c'était une compète, tu vois. Et j'étais toujours sportif, hein. J'avais fait déjà de l'athlète, pas sport, donc j'étais à la compète. Et je me suis cassé la gueule par le gagné, ça a commencé comme ça. Le MMA a tellement de techniques et tellement de distance de combat qu'il est difficile sur une séance d'entraînement de perfectionner l'individu ou l'athlète qu'on a dessus. On peut juste l'observer, le guider vers une idée, une stratégie, un technico-tactique et rester sur du global. On est sur la, quasiment sur le maintien de la préparation physique. Là, il a enchaîné une série de 6 combats récemment. Il a constamment fait beaucoup de préparation physique. On essaie de rester sur de la qualité pour lui faire de la quantité, pour pas qu'il s'érige. Donc, en fait, on a fait. On reste sur des rappels d'explosivité, en fait. Excellent, Souvent j'entends les gens me disent oui mais est-ce que c'est le meilleur entraîneur, c'est lui le meilleur, vous s'entraînez avec les meilleurs. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Que demain je vais m'entraîner chez Greg Jackson, Freddy Roach, il va me prendre, il va te mettre au sac, il va me faire des $1000, ok c'est le meilleur. C'est pour moi le meilleur entraîneur, c'est celui qui veut t'aider. Ça peut être un gars, même pas vous, tu vois, mais qui veut, tu vois, demain t'es pas entraîneur, toi, il y a un gars. Tu veux t'occuper de lui, tu veux qu'il progresse, ça suffira déjà. Ça suffira. Ça pour moi c'est la réalité, c'est super important. Comme tu disais, il y a que dans les films, tu vois le mec avec son balle au fond qui devient champion en partant en Thaïlande. Et ouais, je pense que c'est une des méchants, je suis vraiment très très bien entouré. Et aller chercher et vraiment jusqu'au bout. Pour ne pas. Toujours le même esprit. C'est un sport particulier quand même, ouais, c'est vraiment comme tu dis, la confiance est importante. C'est très psychologique, un bon entraîneur, des psychologues, ton entourage, tu vois. The Norman Parisi, I met him through Mike Amon, the manager. You know, he wanted to work on his boxing technique, and his he wasn't very happy with his boxing, so he came down to New Jersey, New York area. We trained there for about 3-4 weeks, and then we came back up to France. You know, he was a hardworking kid. It was a pleasure to work with him, and you know, I told him that he was gonna catch a knockout with his hands. So watch out for the right or watch out for the left. We don't know which hand he's gonna knock him out, but he's gonna knock him out with his hands. Let's go, Norman! Come on, baby! I mean, they just ain't doing it like that, man. The purpose is to get in great shape, so, you know, he wants to hurt somebody. This is a hurt, we're in the hurt business, so. Phone number cheap, they obsolete, you know, talking cheap, so don't say a word. Cheap, cheap, chicken talk, I'm flipping birds. Fuck y'all, mustard, ketchup, I take pills, expert. Kitchen all Pyrexed up, my dick talking, we'll say next up. Me and your girl network, now she wanna know my network. Wood grain, chestnut, titty fuck, chestnut. On a gagné 7 secondes. C'est bien. C'est bien pour un gros là. Good for a fat boy. Yeah. There we go. You say I'm a fat boy. Can I do one more? Yeah? You could beat 106? I can beat 59. Je pense que pour arriver à un certain niveau de compétition, il faut un peu de caractère.
Et donc il est un peu caractériel. On revient, on allonge la jambe droite, on plie la jambe gauche, on la pose de l'autre côté. Et la jambe gauche, on la pose de l'autre côté. Allongez bien la jambe droite hein, qu'elle soit tendue. Hein. La jambe gauche de l'autre côté, j'évite de décoller l'épaule droite, l'épaule gauche. Norman, il est dans quel état d'esprit? Simplement, il est dans un état d'esprit où il se prépare la routine. La routine, il essaye dans un premier temps de faire abstraction de tout ce qui se dit autour et de rester concentré sur le combat. Tonton, ça me fait bien au cours avec des pénalités. Ah, bon, il a attendu. On est à Vénisson, très bonne adresse, si vous voulez bien manger, et à la place du colonel Fabien. Et au moins aujourd'hui c'est un peu spécial, c'est beaucoup de verdure, mais il y a d'autres plats. Mais bon, voilà, bientôt la pesée, donc les légumes. Et, voilà. Ouais, c'est pas si loin. Je suis gourmand de nature, je vais pas le mentir, les gens le savent en plus. Quand on mange bien, on va bien quoi. C'est logique qu'on dise qu'on mange, j'ai pareil. À partir de là. Carrément. Tu vas venir. Ça y est, je vais te convaincre là. J'ai commencé. Le côté. Mais si je viens, c'est avec plaisir. Bah, carrément. De quoi? Allez, viens me voir en Suisse. Ça va, on n'a pas dit qu'on va faire. Ouais. On va voir. C'est un truc qui me plaît, tu vois. C'est un truc qui me plaît. Je pense pas. Parce que le combat, je l'ai accepté, c'est que voilà, j'ai envie de faire. Pour moi, c'est l'évolution. Moi, je suis quelqu'un, c'est bête, mais c'est très les arts martiaux. Pour moi, les arts martiaux, c'est l'amélioration. L'amélioration, et là, c'est juste une occasion de plus de combattre, faire ce qu'on aime. Combattre très agressif, fougueux, il frappe fort. Il a plein de qualités, c'est un adversaire dangereux, je prends très, très sérieux. Très fougueux, voilà, bon boxeur. Voilà. Move your head. Hands up. Technique. Keep your foot down. Don't make you fall in love. Don't make me fall in love. Like me. Cause girl, I'm just a